j'étais à la recherche d'un photographe pour programmer une exposition photographique en début de saison. L'idée était de proposer à un grand nom de la photo d'intervenir ici. Raymond Depardon, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'il avait ce passé très important et très lié donc au monde paysan, de ses origines familiales, au dernier volet des Profils paysans, qui est ce cycle de documentaires, dont le dernier donc, est La vie moderne, sorti en 2008. Et 2008, donc, c'est la création de cette exposition temporaire. C'est-à-dire que Depardon, il a surtout travaillé sur les paysans de moyenne montagne, puisque lui, il se trouvait... La ferme familiale est en Haute-Saône, il a beaucoup travaillé en Lozère, dans les Cévennes, et notamment il a réalisé des reportages dans les années 80 sur la désertification de cette diagonale du vide qui va des Ardennes jusqu'au Midi-Pyrénées. C'est vraiment un média, la photographie. Pourquoi Depardon ? Parce que Depardon, voilà, c'est à la fois des données artistiques, des données documentaires, et puis la photographie, c'est aussi un média qui permet de dialoguer, de discuter très facilement et qui libère un peu la parole de nos visiteurs. Ces photos me font penser à plusieurs années du monde paysan, du monde rural, et Raymond Depardon s'est inspiré de l'histoire, de son histoire, dans son village. Nous voyons davantage de personnes âgés que de jeunes agriculteurs ou paysans. Et ça peut aussi donner comme information que le monde paysan peut être quelque part en danger ou en voie de disparition. La particularité de Depardon dans sa technique, c'est qu'il a un petit peu tout fait. Puisqu'il avait une douzaine d'années lorsqu'il a récupéré le cadeau fait à son frère, son premier appareil photo. On a des clichés au début de l'exposition qui évoquent un peu ça, c'est des photos assez immédiates. Il a aussi beaucoup fait de photoreportages, mais on voit que dans les productions qu'on trouve ici, on a à la fois des paysages, puis on va trouver aussi des portraits posés. Donc c'est ça qui... quelque part la virtuosité en fait de Depardon qu'on peut admirer, parce que à la fois ce sont des images très variées et à la fois ce sont des clichés qui sont toujours justes. Là le portrait donc de Raymond Privat en Lozère, il est coloré, et tout est rendu avec beaucoup de patience, parce qu'on sent que derrière le travail accompli, il y a eu tout le temps de négociation pour faire asseoir Raymond Privat sur le rocher. Il n'est d'ailleurs pas encore tout à fait décidé à se laisser capturer, là, prendre en photo. Bon, il faut dire que ça, c'est une image qui a été sortie du documentaire La vie moderne, donc le dernier documentaire. Donc ça fait déjà une dizaine d'années que Raymond Privat connaît Depardon. On a la photo des deux frères, et si on n'a pas le titre, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, deviner qu'ils sont frères ? On les reconnaît, on le devine. On voit que, ici, Raymond, il a la blouse Tetra Pak. On devine ce qu'il fait, il s'occupe des brebis, quoi. Donc c'est forcément un élevage de brebis. Donc il y a une lecture qui est possible, rien qu'en regardant l'image. Mais les gens peuvent trouver l'information eux-mêmes, et ça valorise aussi la personne de ces petits jeux de devinettes et ces petits dialogues qui s'instaurent. Raymond Depardon, c'est quelqu'un qu'on a suivi depuis pas mal d'années dans les travaux qu'il a réalisés, autant photographiques que cinématographiques. C'est déjà une très forte continuité du travail de Depardon et des thèmes qu'il a suivis depuis 10 ou 20 ans. Et continuité aussi dans la vie de ces gens, dans la vie de la ruralité. Il n'y a pas de grande rupture, mais toujours les problèmes de désertification, les problèmes peut-être d'isolement malgré des technologies nouvelles. On voit que ces gens sont des gens seuls, dans un milieu qui est relativement ignoré, voire un peu nié par d'autres.